création, agencement, rénovation, décoration intérieure, c'est notre métier depuis plus de 25 ans. Nous assurons une prestation complète de la conception à la pose des meubles jusqu'au revêtement des sols et des murs. Et ceci pour toutes les pièces de la maison. Diplômé des Beaux-Arts en section architecture, je suis à mon compte depuis 25 ans. Je travaille avec une douzaine de personnes, sous-traitants et salariés, qui touchent à tous les corps d'État. On pose bien sûr les meubles de cuisine, de salle de bain, de dressing, de living, chambre à coucher. Donc ici, vous avez une de nos réalisations avec du carrelage au sol, posé en joint de pierre, les meubles de cuisine en verre laqué Bordeaux et un carénia type stucco mais en deux couleurs qui est au mur. Notre showroom de 150 mètres carrés est situé à Havane. Pour chaque projet, j'essaie d'amener une petite création unique. Par exemple, vous avez au niveau de la salle de bain en lave émaillée rouge, j'ai essayé d'imaginer un volcan en éruption, que les cendres tombent sur le plan, que ça coule comme un torrent de lave, avec les deux craquelures à droite et à gauche, et qui descend sur les trois tiroirs rouges. Au niveau du living, je suis parti sur le nombre d'or pour faire cette arche, qui va faire le tour du grand écran, éloigné de 8 cm par rapport au panneau en laqué blanc. Et avec les petits LED qui permettent de jouer en même temps sur la lumière et les ombres. Regardez par exemple cette hotte avec cette crédence en granit et en verre, avec ses formes concaves. Le granit est très foncé. En première approche, on a l'impression qu'il est 10 cm devant le verre, alors que les deux sont pratiquement au même niveau. Chaque détail compte et c'est ce qui fait que le projet est réussi. Je pense qu'il n'existe qu'une seule implantation possible par pièce, en fonction de votre personnalité et de votre caractère. Et c'est celle-ci qu'on doit trouver. L'évier sera caché par le smoke. Sous la fenêtre, lors de notre première rencontre, je vais prendre les mesures sur place, m'imprégner un petit peu des lieux, vous poser des questions et être à l'écoute de ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Et essayer de créer votre projet. Dans un deuxième temps, on va dessiner tout votre projet sur informatique, ce qui va permettre de visiter votre pièce en mode virtuel. Alors imaginez, osez, créez, il y a près de chez vous une personne qui donnera corps à vos rêves.